Hello les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui sur DABDAB2K14 pour l'avant-dernier match. Alors le dernier match qui va arriver, c'est une surprise, mais je peux vous garantir que ça va être un gros match. Et voilà, pour terminer ce DABDAB2K14, j'ai décidé de prendre un match. En fait, si vous voulez, j'ai un ordre de match. Et donc le match qui arrive juste après cela, justement, il est énormissime. Et franchement, je vous promets, je vais essayer de faire en sorte qu'il dure vraiment longtemps. Donc il arrivera après ce match, je ne l'ai pas encore tourné, donc je le tourne juste après le dernier match. Et je vais vraiment faire en sorte qu'il soit vraiment un gros match et qu'il va vraiment me faire kiffer. C'est mon but là, qu'il vous fasse kiffer le dernier match. En attendant, c'est un match qui m'a été proposé par XX Dark Shooter XX62. Un match qui a opposé Stone Cold Steve Austin à The Big Show et au Great White Sheamus. Et c'est donc un Extreme Rules Elimination match. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas vu élimination. Et en fait, j'ai fait du coup juste un Extreme Rules. Donc voilà, je tenais à m'excuser envers toi, X Dark Shooter. Faut savoir que des matchs, j'en ai tellement que des fois, ça m'arrive de pendant vos matchs de pas bien faire attention ou des trucs comme ça. Et je tenais encore à m'excuser. Là, je peux pas vraiment revenir en arrière vu que j'ai déjà choisi les personnages, j'ai déjà mis leur tenue, tout ça. Faut savoir que pour le Big Show, le tenue que je vais faire, je la trouve pas terrible, je la trouve mal faite. Donc j'ai décidé de laisser cette tenue armée que je trouve bien kiffante. Et en revanche, pour Stone Cold Steve Austin et Sheamus, je leur ai mis à peu près une tenue similaire, hein, vous allez voir de vous-même. Et donc dans ce match, je contrôle The Big Show, car ça fait longtemps que je l'ai pas repris, trop longtemps. Mesdames et messieurs, on accueille Honored, venu tout droit du Texas, avec ses bières. Mesdames et messieurs, Stone Cold Steve Austin. Et oui, le Big Show qui est en panique, car ce mec-là, il fucking tout. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le WWE Champion. Haha, Stone Cold Steve Austin, RCS. Et donc voilà, une tenue rouge, bleue et grise pour ce mec. Mais il catch pas avec son t-shirt. Donc concrètement, c'est une tenue rouge et grise, tout simplement. Et vous allez voir celle de Sheamus que j'ai très bien faite aussi. J'en suis très fier, celle de Sheamus. Et donc voilà, donc dans ce match, je contrôle bel et bien le Big Show. Et j'espère que ça va être un grand match, hein. C'est quand même l'avant-dernier. Donc j'espère qu'il sera quand même bien beau. J'espère surtout que je vais gagner pour représenter le Big Show, car le Big Show c'est un catcheur que j'aime bien. D'ailleurs, Monsieur Cody dans une de ses vidéos a dit qu'il lui avait serré la main et qu'il avait l'impression d'avoir la main d'un bébé. Donc imaginez ma main qui doit être encore plus petite que celle de Koé. Franchement, je m'approcherai même pas de lui. J'irai même pas manger avec lui, j'aurais trop peur. T'imagines, tu demandes au Big Show le sel. Big Show, tu peux me donner le sel? Oui, tiens. Merci, c'est sympa de ta part. Et surtout, j'espère que ses enfants, il les a pas frappés déjà au moins une fois dans leur vie, parce que les pauvres s'y sont pris une fois une gifle du Big Show. La gifle du Big Show. Laisse tomber, ça vaut 5 gifles. Ça vaut 5 gifles, de ouf. Et donc maintenant, on va accueillir le dernier des derniers. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre cher Fala, The Great White? Celui qu'on surnomme un temps le pot de mayonnaise. Je sais, c'est un peu méchant. Mais bon, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le requin blanc, The Great White. Ladies and gentlemen, please welcome Sheamus. Fala, toujours Fala. Et nous, est-ce qu'on est Fala? Oui, on est Fala. Sheamus avec son beau kick et son high cross qui en envoyait plus d'un à l'hôpital. Enfin, je sais pas, j'imagine, peut-être, j'en sais rien. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Donc une tenue grise et rouge pour Sheamus, qui est vraiment très bien faite, je trouve. Et ça va bien avec son t-shirt en plus de ça. Et voilà, j'ai vraiment fait une belle tenue. J'espère que vous la kiffez aussi également. Donc je contrôle Sheamus. Alors au début, j'hésitais entre contrôler Sheamus et le Big Show. Faut savoir qu'au début, je voulais contrôler Stone Cold. Mais non, parce que Stone Cold, je l'avais contrôlé récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Dans un match, souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui avait opposé Rey Mysterio à Shuki. Souvenez-vous de ce match d'ailleurs, c'était un bon match d'ailleurs, mais mauvais souvenir. Enfin, si j'avais gagné, donc bon souvenir, qu'est-ce que je dis moi. Donc je contrôle le Big Show, on va foncer. Tiens, dégage de ma route. Oh, on va se calmer, Sheamus. J'ai à peine mis un coup, toi direct. Tu t'es pris pour qui là? Et tiens, tu te calmes, ok, s'il te plaît, merci bien. Toi, non, s'il te plaît, j'ai rien dit. Le chauve, attention, et la back. Et reverse atomic doit parfaitement exécuté par le grand, le beau, le merveilleux. Et bien Stone Cold. Et les travails d'équipe avec Sheamus maintenant. Attention, le double. Non, c'est pas ce que j'avais prévu là. Double backbreaker en fait. Je pensais que ça allait partir pour un double chokeslam, mais même pas. Allez, attention, on va prendre Sheamus et le double DDT sur le Celtic Warrior. Maintenant, tiens, voilà, ok, super, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez, merde, putain. Allez, viens faire le travail d'équipe. Attention, c'est pas grave. Et la back suplex sur Stone Cold. Viens là, toi. Allez, prends-toi un coup de poing. Putain, what?
D'où il m'a sorti ça? Kill the World Slam, normal lui, tranquille. Bon attends, et on va se calmer Sheamus, hein, c'est bien beau tout ça là, mais attention, et Stone Cold, il va travailler un peu plus les jambes maintenant, il va travailler la jambe du Big Show, la puissance de Stone Cold. Alors devinez, trouvez l'intrus dans ce match, c'est simple hein, je vous laisse 5 secondes pour mettre l'intrus dans les commentaires, 10 secondes. Allez-y dans les commentaires, mettez l'intrus, dites-moi c'est quoi l'intrus, attention, Pump Handle Slam, magnifiquement bien porté, Pump Handle, je sais jamais comment on dit. Bref, je vous laisse 10 secondes, allez, à partir de maintenant, 10 secondes, je parle pas, 10 secondes, vous mettez dans les commentaires quel est l'intrus, et je vous le dis juste après. 5. C'est bon, c'est écrit. Alors l'intrus, eh ben c'est qu'il y en a, c'est Sheamus parce qu'il a des cheveux et les deux autres sont chauves. Ok, c'était nul. Bon, bon, en même temps, c'était un intrus, je suis désolé, mais voilà. En même temps, qui est chauve à la WWE? Mark Henry est chauve. The Rock est chauve. À ce niveau-là, j'en ai pour 20 ans. Tiens, batte de baseball. Et prends-toi. Attends. Oh, ça peut m'intéresser, ça, mademoiselle. Attends, on va ramener ça dans le ring. Donne-moi ça, toi. Allez, donne-moi ça. Voilà, merci. Voilà, je suis guitariste maintenant. Big Show est guitariste. Et tiens. Non, attention. Oh mon dieu, il vient de me niquer. Attention, l'échelle. Oh oui, c'est contré. Allez, donne-moi ça. C'est pas pour toi. T'es trop petit. Allez, viens là, Stone Cold. Attention, Stone Cold. Prends-toi ça, mon dieu. Oh, la destruction. Oh mon dieu, attention. Ouh là là, quel match, quel Extreme Rules match entre le Big Show, Stone Cold, Steve Austin et le Celtic Warrior, Sheamus. Sheamus qui le relève et le Kill the World Slam. Viens là toi. Allez, attention ma guitare, je suis guitariste. What? Depuis quand elle est pétée? La guitare elle s'est pétée, je l'ai lancée, elle s'est pétée. La guitare elle est pas au point. Attention, on prend la tête de Sheamus et le DDT, on va planter la mayonnaise. Attention, tu vois ma jambe? Oui, bah tiens. Voilà, y'a pas de soucis, ça fait plaisir. Allez, attention, et prends-toi ça. Voilà, reste par terre. Allez, tiens maintenant. Ou tu vas rester tranquille, toi, hein. Cherche pas à te révolter, c'est pas très très bien. Sheamus, tu restes tranquille. Sheamus, tu restes tranquille. Sheamus, une fois. Sheamus, deux fois. Sheamus, trois fois. Tu veux jouer à ça? Viens là. Attends, je vais aller le chercher juste après là. T'inquiète pas, Sheamus, je t'oublie pas. Je t'oublie pas. Oh oui, attention, on va ramener ça, voilà. Maintenant, il me faut le truc. Non, non, Sheamus, c'est un mauvais... Sheamus, je te déconseille. J'ai déconseillé, il a osé. Hein. J'ai déconseillé, il a osé. Tiens, prends-toi ça. Sheamus, viens là et prends-toi ça. Voilà. Ouh, le Tidal World Heavyweight Championship qui est juste ici. Donc, on va le prendre. Allez, qui se lève en premier? Qui osera se lever face au Big Show? Stone Cold Steve Austin, le Tidal World Heavyweight Champion dans sa face. Toute crânue. Toute crânueuse. Toute crânueuse. Toute... bon, comment on dit pour les chauves? Toute chevelue. Toute... je me comprends. Genre, il m'a fait saigner. T'as Sheamus, normal. Sheamus, le mec tranquille, il vient me faire saigner. Easy. Attention, attention. Oh putain, Stone Cold, il va se prendre un truc là énorme. On va se calmer, Sheamus. Attention, Sheamus. Sheamus, on le surprend. Attention. Et le Chokeslam. Il s'y attendait trop bas de. Il s'y attendait. Oh, il s'y attendait trop pas de ouf, de ouf, de ouf. Toi, va là-bas. Et attention, on le chope. Et tiens, mange ma jambe. On est en train de l'étrangler férocement. Et sauvagement, surtout sauvagement venant du Big Show. Et tiens, t'as plus d'eau. Voilà, t'avais un dos, t'as plus d'eau. Tu veux de l'eau? Bah, il y en a encore. Attention, chop. Et le four-way slam parfaitement exécuté sur le Celtic Warrior Sheamus. On va prendre quoi maintenant? Ah oui, bah tiens, ça peut être pas mal ça. Attention, et boum. Voilà, toi, tu dégages. Voilà, super, ça fera l'affaire. Ah oui, je vais essayer un truc, tiens. Allez les gars, jamais vous verrez Big Show faire ça à la WWE. Dans 3, 2, 1... Le jour où vous voyez ça, les poules rondées, attention de tomber. Oh putain, il a failli me... Oh, j'ai eu de la chance. Attention, oh non, attention, le surpassement. Magnifiquement bien porté. Il vient de faire le doigt d'honneur et la German Suplex de Sheamus. Quel match, quel match. Attention, Sheamus. Sheamus, la tentative de tomber sur Stone Cold. Et un, et deux, Stone Cold, vite, 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 vite. Oh putain, ouf, ouf, ouf. Attention, on est parti. Maintenant, le coup de poing en préparation, le WMD. Mon dieu, attention. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Enfoiré Sheamus 2. Mais pourquoi tu fais ça, Big Show? Pourquoi t'as fait ça? Mais c'est quoi cette victoire pourrite? Putain, il m'a volé le match. Il fait penser à Rey Mysterio contre quand j'avais fait un match contre El Torito. Là, la même. Ils se sont donné le mot, c'est la même. Mais il s'est pris pour qui, le mec? Attends, moi, je me casse les bons becs à faire le match. La fin, WMD. Ensuite, lui, alors là, rien compris. Il est parti chercher l'échelle pour la balancer. On sait pas trop c'est quoi le délire, mais quel con. Et ensuite, au mieux de le frapper directement, il a fallu qu'il fasse une grosse descente du genou. Et comme il est gros, ça a pris 20 minutes pour qu'il descende son genou vers le sol. Bon, bref, on va pas parler de ce match. Victoire pas méritée complètement de la part du Celtic Warrior Sheamus. En tous les cas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo va bien vous plaire. J'espère qu'elle vous a bien plu. Même si Sheamus a gagné. Ouais, Fala, ouais, c'est ça, Fala. Oh, putain, super le mec. Donc voilà, prenez bien soin de vous. À la prochaine, salut tout le monde. Peace and love envers toute votre famille.
WrestleMania.